Vous venez de voir Living Neverland et nous allons prolonger le débat avec autour de cette table Hélène Romano, psychothérapeute, spécialiste des enfants. Vous avez publié un livre « Quand la vie fait mal aux enfants » et vous y abordez en particulier la question des parents face à un enfant qui a été abusé. Hector Barjot, vous êtes fan de Michael Jackson, je précise que ce nom est un nom d'emprunt, oui, est un pseudonyme. Oui, tout à fait. Et vous avez une chaîne YouTube qui est consacrée à la pop star. Tout à fait. Olivier Cachin, spécialiste musique qu'on ne présente plus et auteur de Michael Jackson Pop Life, entre autres, évidemment. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir Dan Reed, le réalisateur de Living Neverland. Bonsoir à vous. Moi, j'aimerais d'abord, pour que les téléspectateurs se fassent une idée, parce que tout ça se passe en Amérique, c'est un pays très différent légalement et en termes de mentalité de la France. Et j'aimerais demander à M. Reed, pour que les téléspectateurs sachent, quelle est la somme qui est demandée par Robson et Safechuck au Jackson Trust pour justement ce procès en civil qui va revenir, semble-t-il. C'est une somme qui n'est pas spécifiée. Les sommes qu'on entend, 1 million, 1,5 milliard. 1 milliard, oui. Ça fait partie de la propagande, c'est la voix de l'avocat de Jackson qui ça semble qui, curieux qu'il n'y ait pas de chiffres, parce que c'est quand même généralement assez clair aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas de chiffres, parce que vraiment, ce qu'ils ont, leur but en menant et les ayants droit de Jackson au tribunal, c'est vraiment d'obliger les associés de Jackson, ceux qu'ils culpabilisent d'avoir fermé les yeux au moment où ils étaient violés par Jackson. Ils ont voulu les obliger à venir et témoigner, et puis ils ont voulu se créer une plafond pour que leur récit sorte dans le public. On va rappeler qu'il y a une procédure, effectivement, que Wade Robson a intenté une action en justice en 2013, James Safechuck en 2014. Ils ont été déboutés en 2017, et il y a le procès en appel dans quelques mois. Oui, cet été, je pense que ça va. Voilà, aux États-Unis. Enfin, il y a quand même quatre versions différentes de plaintes avant qu'elles soient entendues. Ils ont tellement changé de récit qu'on leur a dit que leur plainte n'était pas recevable. Donc, et là ils en viennent, juste pour faire une petite précision sur cette plainte, c'est que là, ils sont en train d'accuser les sociétés de Michael Jackson d'avoir organisé des concours de rabattage pour ramener des jeunes garçons et par la suite pouvoir subir des sévices sexuels. Donc là, enfin, pour moi, on marche complètement sur la tête. Ils ont essayé d'attaquer Michael, mais il y avait prescription, ils ne pouvaient pas attaquer une personne concrètement. Donc maintenant, ils essaient de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour faire une action en justice. Hector Barjot, vous êtes un fan de Michael Jackson. Qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de ces deux hommes? Est-ce que vous pensez qu'ils mentent? Est-ce que ça écorne l'image que vous avez Moi, ce que j'en ai pensé, alors je ne sais pas, Dan Reed, s'il connaissait ces jeunes garçons avant de s'en être intéressé en 2013-2014. Nous, dans la communauté, c'est vrai que ces jeunes garçons, on les connaît depuis des années. Donc on sait très bien de quoi ils sont capables. On a un avis forcément bien tranché. On sait qu'il y a plusieurs reprises, Wade a beaucoup changé de version, a menti, au tribunal. En 2005, il a défendu Michael Jackson. Mais vous pensez qu'il a menti au tribunal ou qu'il a dit la vérité? Moi, pour l'instant, je ne pense plus rien. Je ne suis pas là pour défendre. Je ne suis pas, avocat. Je ne suis pas prouver l'innocence de Michael Jackson. Moi, je suis là un peu pour parler des deux accusateurs. On connaît quand même toutes les frasques qu'ils ont eues au fil des années autour de Michael. Ils ont toujours essayé de rester dans l'entourage du chanteur. Absolument, oui. Et donc, c'est vrai que c'est quand même compliqué à écouter ce témoignage aujourd'hui, une fois qu'il n'y a plus rien à tirer de Michael. Wade Robson a, par exemple, supplié la famille Jackson de faire partie du spectacle du Cirque du Soleil dédié à Michael Jackson. C'était en 2011. Il devait en même temps tourner un film. Il avait envoyé une lettre sans équivoque au producteur que vous voyez ici. Je vais me tourner. Je n'aimerais rien de plus que de participer à ce spectacle. Si cette possibilité vous intéresse, je vous promets à 100% que cette fois, je m'y engage, parce qu'il était engagé sur un autre projet. Donc on sent bien qu'il a vraiment, en 2011, alors qu'il est adulte, très envie de faire partie de ce spectacle Cirque du Soleil. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est le email de 2012 où il écrit au fond Jackson, et il dit « Je ne peux pas participer au spectacle, je ne peux plus réaliser le projet de Cirque du Soleil ». Donc ça, c'est un mensonge. Il a été question qu'il le réalise, le projet ?
Oui, enfin, il a voulu le réaliser, et puis après, il a changé d'avis, et puis après. Mais, il a jamais mais à la fin, été c'est lui qui s'est retiré. C'est pas qu'on l'a viré ou qu'on. Ah bon? Oui. Les preuves, c'est quoi alors? Moi, j'ai vu les emails de. C'est dommage 2012. Que vous ne les ayez pas montrés, parce que ça, ça fait partie des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est des débats qu'ont commencé les fans de Jackson. C'est des détails qui ne prouvent rien. C'est quand même pas rien que d'imaginer qu'il commence une démarche pour contrer Michael Jackson au moment où il est justement retiré du poste de chorégraphe de ce spectacle. Non, mais c'est fantastique. On ne se déclare pas victime d'abus sexuels de Michael Jackson juste parce qu'on a perdu un boulot. Ce qui n'est pour d'ailleurs un milliard, pas vrai. Ça pose débat. S'il gagne de l'argent, ça veut dire qu'il a gagné le procès, n'est-ce pas? Quand on gagne un procès, on met des preuves au tribunal. Ce n'est pas qu'en portant plainte qu'on va vous donner de l'argent. Vous ne touchez pas de l'argent en portant plainte. Non, vous êtes d'accord que ce documentaire, comme vous parliez du procès en appel qui va arriver dans quelques mois, ce documentaire va évidemment jouer un certain poids. Je l'espère, oui. C'est ça. C'est un documentaire à charge, quand même, ça, vous l'admettez. Pour moi, c'est la vérité. Donc, le juge décidera à la base des preuves qu'on apporte, à la base des témoignages qu'on va faire au tribunal. C'est un tribunal, c'est la justice, n'est-ce pas? C'est le mais système. Là où il y a un malentendu, quelque part aussi, et si on compare, c'est vrai que la mentalité française n'est pas la même qu'aux États-Unis. On a vu en France, sur des histoires très médiatiques, que les victimes ne demandaient pas un centime, juste d'être reconnues victimes. Là où il y a un malentendu, c'est que si les victimes s'imaginent être réparées psychiquement par des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, elles se trompent totalement. C'est pas ça qui va les réparer. Oui. Hector Barjon, vous qui êtes fan, vous me semblez sceptique. Vous ne pensez pas que cette parole tardive puisse émerger? Oui, enfin, moi je pense que Wade Robson a été rappelé à la barre donc en 2005. En première ligne de défense, c'était quand même assez risqué. Imaginons que Michael était vraiment un prédateur sexuel et que c'était sa victime. Il envoie quand même sa victime. En première ligne de défense, bon, il était quand même adulte. Il aurait pu tout lâcher. Enfin, voilà, il aurait pu avoir un électrochoc dans sa tête et tout lâcher. C'était quand même très dangereux et très gonflé de sa part. Moi, j'y crois pas une seconde. Franchement, c'est. Il savait bien que Wade allait rien dire parce qu'il lui avait parlé longuement, comme le raconte Wade dans le film. Oui. Mais bon, il a préparé, après. Ça faisait depuis l'âge de 7 ans qu'il avait préparé Wade pour ce moment, justement. On va parler aussi des familles qui entourent ces jeunes hommes, puisqu'on a les mères qui témoignent. Il y a évidemment. Des questionnements autour de ces mères, je ne sais pas si ça vous fait réagir, vous, Hector, ou Olivier. C'est vrai que les mères sont absolument terrifiantes, mais au-delà des mères, ceux qui sont absents, c'est les pères. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, alors, il y a je ne sais plus lequel des deux, il y en a un qui s'est suicidé, je ne sais plus si c'est le père de Robson ou de... C'est le père de Wade Robson. Dans le cas de Jordan Chandler, il y avait aussi un père qui s'est suicidé. Ça ne vous a pas donné envie d'aller un petit peu fouiller cette piste-là, parce que, je ne sais pas, ça paraît quand même... On ne peut pas vraiment parler de coïncidence à ce niveau-là, c'est quand même un peu... Ça ne vous étonne pas ça... Moi, je n'ai pas connu je ne connais pas très bien l'histoire du père de Jordan Chandler. Je sais l'histoire du père de Wade, qui lui-même était victime d'abus sexuels, pareil. Je ne lis pas nécessairement son suicide à ce qui s'est passé avec Wade. Bah, moi, je trouve troublant qu'un père victime d'abus sexuels, et on sait très bien que c'est souvent des enfants victimes d'abus sexuels qui plus tard deviennent des prédateurs, se suicident et que ça ne soit pas une piste que vous alliez un petit peu peut-être chercher. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ça? Moi, je n'explique pas, je pose la question, parce que c'est vrai que ça paraît, pour moi, ça me paraît étrange, parce que ça ne serait pas ailleurs qu'il faudrait chercher les coupables que du côté de la banque Michael Jackson. Je comprends pas trop bien ce que vous dites, que Wade a été... En fait, vous avez des enfants qui peuvent avoir été victimes d'abus sexuels, qui peuvent avoir été authentiquement victimes d'abus, mais qui ne vont pas dénoncer la personne qui est l'auteur. Donc, ils vont projeter sur quelqu'un pour pas dénoncer quelqu'un d'autre. La question qu'on peut se poser, c'est s'ils ont été abusés, est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est pas des abus intrafamiliaux? Parce que les positionnements des mères sont quand même très interpellantes. Alors bon, ça pose de multiples questions. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question-là. Non. Pas du tout. Non. Même par rapport à ce propos. Si c'était quelqu'un d'autre dans la famille qui avait violé Wade au lieu de Michael, ça me paraît un peu fantastique. Mais c'est vrai qu'il avait beaucoup d'amis, et moi ce qui me surprend, c'est qu'il y a quand même une bonne quinzaine d'enfants qui sont dans la même situation que Wade et James Seyfuck. Ils ont resté très longtemps dans l'entourage proche, à Reston-Everland, et toutes ces personnes ne se sont pas manifestées. Et d'ailleurs, dans vos documentaires, c'est pour ça que ça m'attriste un peu, parce qu'on voit bien que ces deux personnes sont prêtes à raconter tout et n'importe quoi. Quand elles mentionnent notamment Brett Barnes, il est en train d'attaquer
pour retirer son nom du documentaire. Ainsi que, et Michael Culkin reste encore dans l'ombre, mais il est cité aussi. Brett Barnes, qui a été cité, voilà. Effectivement, veut que son nom soit retiré parce qu'il ne veut pas être présenté comme victime de Michael Jackson. C'est que vous insinuez, en fait, enfin, tout et n'importe quoi. Après, je respecte votre travail de spécialiste, mais vous balancez des choses, mais il n'y a aucune preuve. Et même les gens se protestent et disent non, moi, je ne me reconnais pas là-dedans, je ne veux pas faire partie de ce projet. Il faut respecter la parole de Brett, n'est-ce pas, sa position. La parole, donc. Mais c'est ça qui m'attriste, moi, c'est que. On a l'impression que ces deux personnes sont prêtes à raconter tout et n'importe quoi, quitte à dire de grosses bêtises, voilà, pour prouver leur histoire. La vérité, tous les autres mentent. C'est un petit peu ce qui ressort du documentaire, enfin, de votre film. Pourquoi vous dites ça, Olivier Cachin? Parce que depuis la diffusion aux États-Unis, il y a eu Brandy Jackson qui a été très proche, qui a été l'ami de Wade. J'ai compris, parce que là, il y a eu une relation avec Wade à l'âge de 12 ans. Qui a duré beaucoup plus longtemps après. Hein, oui, pendant 7 ans, elle dit. Mais puis, même plutôt pas. Que 12 ans. Apparemment, de 12 ans à 17 ans, Brandy Jackson, la nièce de Michael Jackson, aurait eu une relation avec Wade Robson. Et puis tous les témoignages de tous les autres, effectivement, enfants qui continuent à défendre Michael. Il n'y a pas eu, si vous voulez, quand il y a eu l'affaire MeToo ou quand il y a eu le scandale de pédophilie avec des prêtres, ça a déclenché effectivement des vagues de confessions, de gens qui sont sortis, qui ont dit moi aussi ça m'est arrivé. Là, on n'en a pas eu et il y a beaucoup de gens qui quand même défendent effectivement Michael, y compris des gens qui étaient avec lui très proches quand il était enfant. Donc c'est pour ça que je dis, si ces deux personnages, si les deux acteurs, enfin les deux interprètes, enfin les deux protagonistes de votre film, ont raison, disent la vérité. Vous pensez que c'est des acteurs ? Ah bah, il y a des moments où j'ai vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, quoi. C'est pas quand je vous dis que c'était un documentaire à charge, c'est vrai qu'on voit bien quand même la volonté. On voit bien que la volonté, c'est pas de se poser des questions, c'est de donner la réponse et de dire que cette parole-là sont des paroles de vérité. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ce qui veut être transmis et que donc s'ils ont raison, s'ils disent la vérité, tous les autres mentent. Et il y a aussi quand même. Alors je pense qu'on vous l'a beaucoup dit. Jordan Chandler a menti. Il a posé plainte. La plainte a été retirée. Et il semblerait que. Jackson a donné 20 millions de dollars à un enfant de 13 ans. Pour ne pas faire un procès, comme il y a eu en 2005, qui a été gagné par Michael. Mais quand le FBI et la CIA ont enquêté pendant des années avec des écoutes téléphoniques, des filatures, eux n'ont rien compris. Quand le procureur, Tom Snedden, qui est mort depuis, a passé des années de sa vie et des dizaines de millions de dollars du contribuable pour trouver Michael Jackson coupable et qu'il n'y est pas arrivé. Donc, Dan Reed, à la fin de votre document, on voit un gant de Michael Jackson brûlé sur une plage, des affaires à l'effigie de Michael Jackson, enfin, ou qui lui ont appartenu tout simplement. Elles appartenaient à qui ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit de photos que Wade nous a données, qui faisaient partie de son archive, que lui a prises, je pense en 2013, 2014, enfin avant de faire ma connaissance. Et il brûlait des choses que lui avait donné Michael, des choses qui lui restaient de sa carrière de jeune, de petit danseur, enfin de quand il était enfant, obsédé de Michael Jackson. Et puis, il les a brûlés comme pour s'éloigner un petit peu de son idole, pour, comme il a dit, un exorcisme. Oui, mais ce qui s'arrête, c'est quand même cette fameuse mise en scène d'objets brûlés à la fin du documentaire qu'il aurait fallu éviter. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, enfin, quand on est un peu fan, que tous les objets qui brûlent, c'est des objets insignifiants, c'est des disques, c'est n'importe quoi. Quand on sait qu'il a vendu la plupart de ces objets en 2011 aux enchères à Los Angeles pour plusieurs milliers de dollars, mais des centaines de milliers de dollars. Et à cette époque-là, il ne se rappelait pas avoir été abusé, donc on voit bien qu'il profitait déjà de tout ce qu'il pouvait récupérer, il le récupérait. Donc c'est une mise en scène, pour ma part, ratée, parce qu'on n'y croit pas une seconde, quoi. Ils veulent exorciser Michael. Vous pensez qu'il a brûlé ses affaires? Moi, je pense qu'il a brûlé ce qu'il n'a pas pu vendre aux enchères. On voit bien, il y a des disques, il y a des gants, des répliques de gants. Tout ce qui avait vraiment de la valeur, une valeur financière, il les a vendus en 2011. Et on a des preuves, pareil. Wade Robson voulait même rester anonyme pour toucher l'argent. Oui. Donc, voilà. Non, mais on sait bien que jusqu'à 2012...
il se disait fan de Michael. Oui, mais fan. Alors pourquoi est-ce qu'il a vendu les objets de son ami ou de son meilleur ami avant qu'il se rappelle qu'il avait été attouché? Bah, voilà. C'est sa propriété. Il doit vendre s'il veut. Voilà. Moi, pour moi, c'est pareil. J'achète pas. C'est une mise en scène de plus dans votre. Et pour vous, c'est cela qui prouve qu'il ment? Non, moi, ce qui prouve qu'il ment, c'est toute une série de choses qu'ils ont fait. Voilà, ils ont menti plusieurs fois. Ils ont changé de version plusieurs fois. Et à la fin, il y a toujours l'histoire de l'argent. C'est ça qui choque en fait tous les fans. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a beaucoup de où fans. Beaucoup de fans vont avoir une preuve formelle. Si vous nous trouvez une preuve formelle, on ne va pas défendre. Mais il s'agit quoi des draps sales de Michael Jackson? Pardon, alors pour le coup, on sait tous qu'il n'y aura plus de preuve formelle. Le temps a passé. Ce qui m'étonne, c'est que ça a duré 20 ans, soi-disant, ces agressions sexuelles, 15 ans, 20 ans d'affilée, avec plein d'employés dans Neverland qui vont, qui viennent. Personne n'a pris une photo, pas une preuve, rien du tout. Mais on ne peut pas. Voilà. Et après, d'abord, il y a plein de témoignages de la part des employés de Jackson qui ont vu, vous savez bien. Excusez-moi, les témoignages, comme la femme de ménage qui sont ressortis, qu'on avait déjà vu en 2005, elle s'est fait quand même virer en 1994. Elle volait des objets à Neverland pour les revendre. Donc, elle s'est fait virer et comme par hasard, quelques mois après, elle commençait à parler dans la presse. Volé. Vos points de vue ne seront pas forcément réconciliables ce soir, mais en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu débattre autour de cette table. Merci à tous les quatre et très bonne fin de soirée sur M6. Merci.